Monsieur le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure de Bob l'éponge. Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Twitch, les amis, venez me supporter. Hello Yannis, vous me trouvez sur l'animation, si tu veux jaser. Et sur Twitch, mon cher ami. Bon, ici on était rendu là, on n'a pas encore rien visité, mais on avait parlé à Monsieur Crabe. Pas de friture pour toi. Donc le crabe croustillant est infesté de robots. Je crois que je dois travailler. Bon. Prêt les enfants? Prêt, go! Oh! Ah non, je suis déjà mort presque. Premier gansin, oui! Oh shit! Pourquoi j'arrive pas à sauter? Sushi sur Twitch, mon ami. Désolé. Prêt ou pas, j'arrive. Je crois que je dois travailler. Ah. Comme une... Oh non, vas-y, t'es capable. S'il te plaît. Ah. Bon, bon, lui. Oh, il est comme ça. Je me sens regonflé à bloc. 2 3 Et 4 Comme une brise printanière. Viens d'où ce... Oh, je viens m'asseoir, il est... Oh là, t'es maudit, je vais te voir ça. Oh, je vais tout faire ça pour rien. Ah, je suis mort encore. Deux. Mais là au moins je comprends qu'est-ce qui se passe. Hein. Que je serai une éponge carrée et que je m'appellerai Bob, je ne laisserai pas tomber le bikini bottom. Je crois que je dois travailler. Non. Je me sens regonflé à bloc. Prêt comme une brise. Tiens toi. Tiens, je suis un. Et voilà. Reste d'autres. Non, autre. J'espère que tu vas bien, Sushi, viens de trouver.
Oh, tu m'as fait peur, mon garçon. J'ai été inquiet pour mon pognon. Tiens, prends cette récompense. 49. Marcel Bubule, je suis sûr que la prochaine technique que tu vas m'apprendre sera la meilleure d'entre toutes. Absolument, exactement, Bob l'éponge. Promis, juré, craché. Si j'avais de la salive, oui. Tiens, je te donne un peu de la mienne. Plus tard, peut-être. Bon, concentre-toi bien, Bob l'éponge, car cette bulle est unique en son genre. Je concentre toute ma concentration. Lorsque tu ne bouges pas, appuie sur ce bouton et tu créeras une bulle dans les airs que tu peux diriger. Waouh ! Vise bien toutefois, car elle ne volera que pendant quelques secondes avant d'éclater. Je suis une machine à créer des bulles. Je vais changer de manette. De SpongeBall, ça te dit? Hein? Je vais comprendre comment ça marche. Wow! Je viens de voir quelque chose d'intéressant quelque part, là. Oh Colorama. J'arrive. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'appuyer sur un bouton. Clic, 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 clic. Ah voyons, tu fais là. Frais comme une brise printanière. Et bon oui. Continue à chercher des spatules dorées, Bob. Je suis persuadé que mes robes... Je crois... Non, semble... Ah, ça a peut-être fait apparaître ça. Ah ouais, regarde. Puis une spatule en plus pour la 50e spatule du caribou canadien. Ah ok, ouais, c'est pour ça que ça marche pas, je comprends. Faites ça... Je peux vous aider. Il te faut 40 000 objets brillants pour entrer dans le cinéma. Thank you.
Dans le rêve de Bob l'éponge, j'ai sommeil. Le sommeil est peuplé de rêves. Quels sont les secrets de ce royaume sous-marin somnambule? Des bulles de rêve. Je suis entouré de bulles de rêve. Je me demande ce que ça signifie. Gary, qu'est-ce que tu fais ici? Donc je rêve. Dans ce cas, la première chose que je vais faire, c'est imaginer que j'ai une moustache. Merci, Gary. Ça me donne un air plus sauvage, hein? Si j'ai autre chose à faire, eh bien, j'aurais bien besoin de plus de spatules dorées. Mais par où commencer? Tu veux dire que chaque bulle de rêve renferme une spatule dorée? Je suis prêt! Oui, Gary, je serai prudent. Ah, tabarnak, wow! Aïe. Oh non! Oh non! Si, on change tout de suite. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt! Bien, t'es pas prêt, c'est parti. Oh, ça c'est chien! Je l'avais pas vu venir! Ah merde, il vient vers moi, j'oublie cette partie-là. Entre les deux! Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt! Route glissante! Nice. Oh, c'est-tu qui me font ça à chaque fois les deux tabacs? Faut vraiment t'es vite ou que tu t'attends. Ça c'est chien. Non! Ça c'est encore plus chien. Oh, je suis tanné. Non, tu peux pas me faire ça! Tu peux pas me faire ça! Ziggy Bear vient de trouver sur Twitch, mon ami. Viens nous supporter. Non, il me pousse à chaque fois! Attends, mais là, je fais de quoi, là? Viens, toi!
Tiens, toi! On me rend la vie un peu plus facile, esti? Il fait ça à chaque fois! Je suis con, naïf! Hey, je vois pas de la misère, là. Le pire, si je l'aurais déjà eu, j'aurais... Oh, tabarnak, ça a pas de l'air fini, là-bas. Hey, c'est chaud. Oh, j'ai trop sauté, je fais tout le temps ça, je saute trop avant, les scènes me fuck à chaque fois. Oh non, pas ça! Oh mon Dieu! T'en niaiser. Wow, ton rêve est gigantesque. Tout est surdimensionné au Texas, même les rêves. Dans ce cas, tu es la personne qu'il faut pour atteindre la spatule au sommet de ce gland doré. C'est mon rêve, c'est moi qui décide. Je récupérerai cette spatule plus vite qu'un lièvre texan qui traverse une autoroute à quatre voies. Bon. Ah, oh, Chris, je savais pas que... J'aurais dû savoir la qu'on faire un ultime. Bam! Plus ça brille, mieux c'est. Barnac, c'est quoi ça? Ça monte au lieu de descendre. Mmh.
non! Oh non! Je réussirai jamais ça. Hey, tu t'en commences du début en plus. C'est là qu'il se passe l'action. Comment tu veux que je vois là? Si ça marche pas, je pense que je peux pas passer par là. À moins que tu l'allumes moins vite. C'est une dernière fois. Ah non, il fallait que c'est... N'importe quoi que je fais là. Ça. Ah ouais, là! Peut-être pas si long, peut-être laisse faire. Les jeux avec des slides, pis ça, j'aime pas trop ça, malheureusement. J'ai déjà essayé par en arrière, il ira pas vite vite, je te garantis. Oh, cabochon! Oh, nice, Caribou! Cocofragile.com là-dessus! J'ai vu qu'il y a quelque chose d'intéressant. Rien n'arrête une créature terrestre! Ah, non, mec, t'es chanceux là-dessus. Je vais vomir partout. Bizarre.
Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise puis regarde-moi, hein. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Wow! Ah bah ouais, je sais pas ce qui se passe là, j'avais perdu complètement le contrôle. J'ai juste été à l'heure, mais à mauvaise place. Bon, ça va être assez pour moi pour... Je vais changer de tableau parce que c'est tabarnan. Tu fais du mal, même. Alors, sors-moi d'ici. Hein. Ah, j'étais à la place pour sortir, zut. Sors-moi de l'eau plus vite, tabarnane. Ben voyons! La maladie mentale l'a pogné. Ah, mais je vais pas faire ça, moi. C'est quoi ça, ce petit tableau-là? J'ai eu ça, des affaires comme ça. C'est une... Non, je crois pas. Non, je crois pas. Sortez-moi de ce tableau-là. Ah, Batman. Sortez-moi de là. Moi, ce que tu tombes 150 fois dans le vide, j'ai amusé à des tableaux comme ça. Ça me rend. La petite bête qui roule, qui roule. Patrick. Tu as trouvé. Pas encore, Patrick. Je suis en train de peut-être voir Sandy, on sait jamais. Il est drôle, Bob l'éponge, parce qu'il va voir Sandy. Check, y'a pas d'eau là-dedans? Qu'à la face. Fini de jacasser! C'est encore ce gamin. Burk, mon garçon. C'est ça que ça disait sous le sofa, fallait lui parler. J'ai bien fait d'aller là. Prends ça.
au centre de contrôle. Lancement court. L'homme sirène et Bernard l'ermite. Tu ne devrais pas surprendre l'homme sirène comme ça. Ce n'est pas bon pour son cœur. D'ailleurs, il n'y a plus grand-chose qui soit encore bon pour lui. Désolé, l'homme sirène. C'est juste que je suis toujours si heureux quand je vous vois tous les deux. Être aux côtés de deux légendes comme vous me donne le frisson de l'héroïsme. Regardez mes frissons, des frissons qui ont des frissons qui ont des frissons. On a compris, gamin. Vide ton sac et dis-nous ce que tu veux. Il me faudrait une nouvelle paire de lunettes de soleil. Patrick s'est assis sur mes anciennes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En réalité, c'est bien que tu sois venu. Jeune éponge, pleine de bonté. Ah oui ? Ah oui ? Oui, une bande de robots diaboliques se sont emparés du système de sécurité de notre grotte secrète. Tu vas devoir l'éteindre et les arrêter. Pourquoi lui? Nous sommes tout à fait en mesure de nous en charger. Parce que c'est jeudi et que nous avons tout un tas de rendez-vous avec le docteur. Ah, nom d'un encornet, j'avais oublié. Va voir l'ordinateur de la grotte secrète dans la prochaine salle. Il te dira quoi faire. Effectivement. J'accepte cette incroyable responsabilité, l'homme sirène. Vous ne serez pas déçu. Embarrassé peut-être, mais pas déçu. Direction le cabinet du médecin. Oh. Ce n'est pas une simple éponge, c'est Super Éponge, prête à éponger le crime. T'es qui, toi? Tu peux utiliser une bulle de bowling pour faire rouler les roues à place-toi à côté pour la faire tourner. Hein? On va parler à ça. Hein? Ah, j'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent. Vas-y, qu'on va. Ah! J'adore ouvrir des cadeaux. Ah, une spatule! C'est pas trop dur celle-là. 51, spatule, caribou canadien! La grotte secrète. La forteresse de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. Les héros super ridés. Quelle joie de te
devoirs. Et pas le genre de joie qu'on ressent en ouvrant son courrier, mais plutôt celle qu'on ressent en dégustant un pâté de crabe. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Ouais, le duo de petits vieux m'a déjà raconté. Ces deux grincheux m'ont envoyé m'informer auprès de l'ordinateur de la grotte secrète. Mais, étant donné que tu es là, je te laisse t'en charger. Il se trouve juste là-bas. Non mais regarde-moi cet endroit. Enfin, je veux dire, ça leur ferait du mal de décorer avec quelques tapis et tout cet espace gâché. Comment ces deux vieux radoteurs ont construit tout ça? Oh, c'est simple. Dans l'épisode 27, la grotte de l'homme sirène se fait envahir par les piocheurs, des monstres venus des Bermudes et... Oublie ce que j'ai dit. Ouais, déjà. Vous êtes mon héros. Hé, c'est tout jaune. Que t'est-il arrivé? Ah. Bob au centre de contrôle, lancement court. Aïe. Quoi ça? Ah, c'est autre chose, ça. C'est là, là. Patrick. J'ai une mission pour quelqu'un qui sait lancer des trucs. On s'en occupe. Je suis super fort pour lancer des trucs. Tout ce que t'as à faire, c'est de ramasser un fruit à lancer et de le balancer à l'intérieur de chacune de ces machines en entonnoir. Lancer le fruit à balancer? Non! Balancer le fruit à lancer! Fruit le balancer à lancer? Tu ferais bien d'être vif, car j'ai tendance à vite exploser. Enfin... Ils ont tendance à vite exploser. Je sais pas. Ce que je fais là. Bon, on y est. Les sous-vêtements de Bob ne lui vont pas tout à fait. C'est dur.
Oh, je vais tout faire. J'ai réussi. Je peux me reposer maintenant. Merci. Oh là là, oh là là, 52. On ramène Bob. Ça, c'est bowling là-bas. Sandy, que lui fait faire de plus, c'est ça. On dirait ça a rien servi à elle. C'est déjà monté. Voyons. Oh. Prêt pour ça. Une nouvelle journée. Ah, Stewie. Beau petit truc. Allez. Regarde ça. J'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. Oui, elle. Ok. Viens. Sur Jason.
sang regonflé à bleu. Ah, c'est pas... Oui. Il sera drôlement content de récupérer ça. Ok, mais ça me dit pas où aller non plus. Mais ça, faut que je vois là-bas. En tout cas. Matraque, barbac. J'ai compris. Tu viens de rencontrer le Terminabob. Oh, allez! Alors, j'ai réussi à faire un petit bug d'être là qui m'a permis d'aller en haut, mais là, pas capable. Ah, t'es même collant. Oh, il vient à moi, innocent. Je viens de réaliser. Oh, il venait à moi. Ouais, man. Ah, j'ai activé les murs. Bon. C'est ça que ça servait. Regardez encore ce qu'il y a là. Une petite spatule pour 53. Okay. On n'a pas fini, hein, Dodi. Pour que je puisse reprendre le contrôle du système de sécurité, tu vas devoir appuyer sur tous les boutons qui dépassent dans la grotte secrète. Le premier se trouve là. Appuyez sur les boutons. Quand tu les auras tous activés, il te faudra revenir ici pour appuyer sur le bouton principal d'arrêt. Tu obtiendras alors une récompense. Revenir ici, c'est noté. Est-ce que tu m'écoutes? Écoutez, c'est noté. Ah, j'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. On peut pas aller là-dessus. C'est là qu'on va sûrement appuyer sur les boutons. Et ensuite, il faut revenir ici. Gary, je vois que tu as réussi à descendre dans les entrailles de la grotte de l'homme sirène. Oh, tu as pris l'ascenseur. Bon, comment je fais pour grimper au sommet de cette pièce? Tu as raison. Je suis sûr que ces tunnels me guideront au sommet. Bien joué, Gary. Thank you.
Y'a quoi qu'est-ce qu'il y a là aussi là? Dis bonjour à mon ami Bull. Oh! Ça? Holorama! Holorama ou? Ok, là, c'est pas drôle! Tiens, c'ti. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Une spatule? C'est facile ça là. Ah mais il y a quelque chose d'autre. Il y a un bas de Patrick de caché là-bas là. Faut que je monte là. Check-up est en haut. Vas-y, Bob, c'est ton anniversaire. Il est où le Bob, le bas exactement là? C'est presque rendu, on va passer de nouveau. C'est chiant. On continue l'aventure. Je vais faire le bas de Patrick, tabarnak.
frais comme une brise printanière. Il y a une boule qui doit arriver de quelque part. Ah, monsieur Crabbe va tout m'expliquer ça. Regarde, mon garçon. Il y a de l'or sous le verre. De l'or. J'en Allez, votre sadiche. Rien que le voir. Tout ce que t'as à faire, c'est d'acheminer cette énorme boule. Dans cette coupe. Comment fait-on rouler la boule, Monsieur Krabs? Pour commencer, on voit une bulle de bowling sur cette rampe pour atteindre le bouton. Bonne chance, mon petit Bob. Tente sur toi. Ah, il y a un mort, hein. L'autre est là. J'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. Ok, elle a déjà tombé, mais elle a tombé où? Ah, ici! Ok, on essaye. Hey, toi, t'es qui, toi? Ah, pis ça fait quoi? Ok, mais faut pas que je fasse ça tout de suite. Ça, t'es qui? Ah, oh, putain, ouais. Ah ouais, il marche après. Va se faire. Mais qu'est-ce qu'il est supposé de faire ici? Ah.
Tabarnak, ouais. C'est un succès! Qu'est-ce qui arrive là? Je n'ai pas l'impression qu'il a besoin d'aide. Oh! Je viens de comprendre. T'es là, fallait que... Ok. C'est bon, on y va, on lâche pas. Colorama! Ah ouais, ça a pas marché, regardez. Ah, Lick, c'était bien mis... Maudite misère. Oh, c'est vous, je vais l'avoir. C'est Bob, t'as rien à faire là. Non, il a pété dans la bonne! Ah, peut-être que oui! Ah, t'es dans la bonne! Viens, t'es chanceux! Oh non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que la boule atteigne sa cible,
Tu vas devoir déplacer les mécanismes. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ça là, ça déclenche quoi cette affaire là? Ben ça déclenche. Je vois qu'il y a du feu dessus là. Je sais pas. Voyons toi. Tu viens de rencontrer le Terminabob. Wow, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Salut, chaton! Hop, je vais manger, j'ai faim. Non! Donc on continue cette aventure de Bob l'éponge demain sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!